This is the Recovery Channel, where life's pains are healed. You're watching the Recovery Channel, where life's pains are healed. I have the privilege tonight, le privilège ce soir, with all the praise and worship we have got here. I believe the heavens are open. J'espère que le I believe ouvert. Angels are here. J'espère que les anges sont là. I invite the man of God of tonight, l'homme de Dieu de ce soir, whom God is going to use tonight, celui que Dieu va utiliser ce soir, to proclaim his word, pour proclamer sa parole, a prophet in calling, un prophète appelé tonight. Ce soir, I have the privilege, le privilège, to invite the prophet of God, invite le prophète, le pastor, pasteur, doctor, docteur, Antoni, Antoni Okoh. Okoh. Hallelujah. Amen. So tonight I want you to open up your spirit because there's something I want to do tonight. J'aimerais que vous ouvriez vos esprits parce qu'il y a quelque chose que j'aimerais que vous fassiez ce soir. I want you to catch the revelation. J'aimerais que vous puissiez saisir la révélation. Because revelation is power. Parce que la révélation c'est la puissance. Many years ago I did a lot of things without revelation. Plusieurs années passées, j'ai fait beaucoup de trucs sans révélation. I gave tithes without revelation. J'ai payé la dîme sans révélation. I gave by obligation. J'ai donné par obligation. Sometimes I gave with anger. Par moments, je donne avec colère. Because I felt what I need this morning. Parce que je sentais que j'avais besoin but de when light came, revelation came. Mais quand la lumière est venue, la révélation I started est arrivée. Giving by revelation. J'ai commencé à donner par when révélation. I'm taking my tithe to the house of my man of God. Quand j'amène ma dîme dans la maison I'm de mon happy, homme de I'm Dieu. Smiling because I have revelation. Je suis heureux, je suis content parce que j'ai la révélation. Light has come to my heart. La lumière est arrivée dans mon cœur. I'm excited when I withdraw money from the bank, taking je it to the house of my man of God. Je suis excité quand je sors l'argent de la banque et j'amène cela one day my man à mon homme God de Dieu. Said to me, but you brought some few days ago. Mais tu as amené que, il y a deux jours passés. I said it, it was the one I gave the other time that opened. So I'm coming because I want. He looked at me, said, "Edo man." I dit toi. Because I'm from Edo State in Nigeria. Je viens de Edo State. He hit me on the head, and he blessed me. Et il m'a béni. Since I began to do these things by revelation, depuis que j'ai commencé à faire ces choses par révélation, we have seen tremendous financial explosion in our lives. On a vu une explosion financière. Even as a pastor, you must learn to tithe. En tant que pasteur, vous devez apprendre I'm à payer la dîme. I'm speaking to the ministers here today. Je parle aux ministres. You need to tithe. You need to understand the principles of tithe. Don't teach it and not do it. Vous devez respecter les principes de la paix des dîmes, pas seulement don't enseigner, see the mais faire cela. Of a pastor as an opportunity to teach and collect people's things. You'll be poor. Ne reste pas dans l'office de pasteur comme quelqu'un qui prend la dîme. Because some pastors will spend all night studying all the scriptures on collecting. Le pasteur passe toute la nuit à when étudier he les écritures. That's a powerful scripture right comment now. Collecter? That's a powerful they write it down. But they don't. They now take it to church on Sunday. They begin to scatter it on the head of the people. Ils commencent à parler aux gens de cela. Give, 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 give. Donnez, 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 donnez. Il mange, il bouffe, il bouffe. Vous pouvez voir la vie de so you don't just des gens qui sont so affectés. Your stomach will be big. Ne prêchez pas seulement parce que votre ventre sera gros. Alléluia. Amen. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? It's a principle. It's not a way of survival. C'est un principe. C'est pas une façon de survivre. In Nigeria, I call pastors who teach things they don't do. I call them prophet mamas work. J'appelle le pasteur qui enseigne des choses qu'ils ne font pas comme les prophètes mamans. Alléluia. Amen. Mamas work. That means I must survive. I must eat something. Je dois survivre. Je dois avoir quelque chose. So revelation is power. La révélation c'est la puissance. I might not be shouting tonight. Je peux ou ne pas crier ce soir. Because when you're teaching, parce que quand tu enseignes, and people don't understand what you're teaching, et les gens ne comprennent pas l'enseignement, then you have wasted your time. Donc tu as perdu ton temps. Are you listening to me? Est-ce que vous me suivez? So I'll talk quietly because I recognize I have accent.
Je vais parler lentement parce que je reconnais que j'ai and some of you are not hearing me well. Il y a ceux-là qui ne m'écoutent pas très bien. So I'll try to talk with a little bit of clarity. Donc je vais essayer de parler avec un peu de clarté. You don't abuse your prophet. Tu ne t'abuses pas de tes prophètes. You use your prophet. Tu utilises ton prophète. And as you use them, you move to the next level. Alors que tu utilises ton prophète, tu pars à un autre niveau. Luke chapter 13 verse 34. Luke 13, 34. One day Jesus stood. Un jour Jésus s'est tenu. And he began to weep. Il a commencé à pleurer. Look at what he said. He said, "Oh Jerusalem, Jerusalem, which killest the prophets and stonest them that are sent unto thee. How often will I have gathered thy children together, as a hen doeth gather her brood under her wings, and ye will not. Behold, your house is left." Look at the implication of stoning your prophet. "Your house is left desolate, and verily I say unto you, you shall not see me until the time come when you shall say, Blessed is he that cometh in the name of the Lord." Amen. Amen. Every time you stone your prophet, à chaque moment que tu lances des pierres à ton prophète, look at what will happen to you in verse 35. Regarde ce qui arrive sur toi au verset 35. It is your house that will be desolate. C'est ta maison qui sera déserte. Your television will spoil. Ta télé va s'abîmer. Your chair will break. Et tes chaises vont se briser. Nothing new will enter your home. Rien qui entrera dans ta chambre. How do you store your prophet? Comment l'appuies-tu ton prophète? You sit on the dining and you talk about your pastor from morning to night. Tu t'assieds à ta table, tu parles de ton pasteur du matin jusqu'au soir. You are stoning him. Tu es en train de le lapider. Are you listening to what I'm saying? Est-ce que vous suivez ce que je dis? I've never stoned papa. Je n'ai jamais lapidé papa. I've never stoned papa. Je n'ai jamais lapidé papa. Every time you speak a negative word, à chaque instant que tu parles de paroles négatives, tu es en train de lapider ton prophète. But can I tell you something? Puis-je vous dire une chose? The stone is returning back to sender. Donc la pierre retourne toujours vers son expéditeur. Your house will be desolate. Donc ta maison sera dans la désolation. You keep going down, down, tu vas continuer à aller par terre, par terre, par terre. That's why you see when people leave church. Quand les gens quittent l'église, bitter, l'amertume. Check them after a while. Un de mes staff m'appelait. He said, "Pastor, why is it that when people leave church?" Il m'a dit pourquoi quand les gens quittent l'église, they don't do well. Ils ne vont plus très bien. Now I'm not talking about those who have to maybe move to another town or city. Alors, je ne parle pas de ceux-là qui quittent. I'm talking about those who ville. Leave church with the eye of war. Je parle de ceux-là qui quittent l'église avec le yeux de la guerre. I'm not talking about those who have to maybe travel on business. Je ne parle pas de ceux qui doivent voyager pour les affaires. Or relocate. Ou aller dans une I'm autre ville. I'm talking about those who leave church embittered. Je parle de ceux-là qui quittent l'église avec colère, amertume. Many times they expect their pastors to go down, but no. Par moments, ils s'attendent que leur pasteur va aller par terre. To him he called, he justified. Mais celui qu'il a appelé le justifie. No, I've seen that. When God calls a man, quand Dieu appelle un homme, even if the man is wrong, même si l'homme n'est pas correct, he will back him. Dieu va le protéger. He said, "Who are you to judge another man's servant?" Qui es-tu pour juger notre serviteur? Whether he standeth or he falleth. Qui tombe, qui se tient debout? If I tell you a story now, you'll be shocked. Si je vous dis une histoire, vous serez choqué. Are you listening to me? Est-ce que vous me suivez? A pastor, un pasteur, fell into adultery. Il est tombé dans l'adultère. Touch not my anointed. Ne touchez pas à mes oints. Do my servants no harm. Ne le faites point de mal. If they do bad, s'ils font du mal, let God deal with them. Laisse que Dieu s'occupe d'eux. You are not the one to correct another man's servant. C'est pas à toi de corriger un serviteur de notre homme. I stop at that point. Can somebody come and beat your servant in your house? Est-ce que quelqu'un peut venir cogner ton domestique à la maison? Will you tolerate it? Est-ce que tu vas tolérer cela? How much more God? Combien Dieu maintenant? Are you following me? Est-ce que vous me suivez? Look at Bible prophets. Regardez les prophètes de la They Bible. Had weaknesses. Ils avaient de faiblesses. Elijah had temper. Élie était colérique. Moses had temper. Moïse était colérique. If you read the genealogy of Moses, si tu lis la généalogie de Moïse, in Genesis 49, dans Genèse 49, the Bible says that there was something about the lineage of David. Il y avait quelque Moses. Chose concernant la lignée de Moïse. The Bible says anger light in their bosom. Donc la colère était en eux. Anger. La colère. Moses' great-grandfather. Le grand-grand-père de Moïse. Had so much anger, he killed him and buried him in the sand. Il était tellement colérique qu'il a tué quelqu'un et l'a enterré. From the tribe of Levi. De la tribu de Lévite.
Give me Genesis 49. Donnez-moi Genèse 49. I think verse 5. Verset 5. I just want to show you something here. Je voudrais juste vous montrer quelque chose ici. Are you listening to me? Est-ce que vous me suivez? It says Simon and Levi are brethren. Simon and Levi are brethren. Instruments of cruelty are in their habitation. Go to the next verse. Oh my soul, come down not into their secret, unto their assembly. That means don't hang around them more. My honor, be thou united. For in their anger, they slew a man, and in their self, we did dig down a wall. When they're angry, they can fall a wall. They blow it. Quand ils sont en colère, ils peuvent même écrouler un mur. Look at what the Bible says. It caused be their anger. For it was fierce, and their wrath, for it was cruel. It said, cause their anger was something else. Donc leur colère était une autre chose. This is the lineage of Moses. Ça, c'est la lignée de Moïse. If you go to Exodus chapter 2, si tu pars dans Exode 2, if, I just read for you 49 verse 5. Je viens de lire 49 verse 5. Moses was from Levi. Donc Moïse venait de la famille de Lévi. Talk about here. Dans la Bible, in Exodus chapter 2, dans Exode 2, verse 1, verset 1, who came from Levi? Moses' father and mother. Le père de Moïse. And there went a man to the house of Levi and took a wife, a daughter of Levi. Donc un homme de la famille de Lévi a pris la femme. Check their DNA. Regardez leur anger, ADN. Anger raised to power too. Donc la colère. Levi. Donc Lévite, Lévite. So Moses came with double portion. Donc Moïse est venu avec une double portion. Double portion de colère. Are you following? Est-ce que vous suivez? In the same Exodus chapter 2. Dans le Exode toujours 2. You know that stammerers are very temperamental. Vous avez ceux-là qui ont. So he now had a disability that was in his anger. Donc il ne parlait have pas you ever très seen bien. A stammerer? Vous avez déjà vu quelqu'un qui ne parle pas bien? That they can't talk. Donc il ne parle pas bien. Makes them angry. Et so now to colère. Become a stammerer. Donc quand tu as ces défauts là, run for your life. Donc tu dois fuir pour ta vie. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So when Moses killed an Egyptian, quand Moïse a tué un Égyptien, he was not doing the will of God. Il ne faisait pas la volonté de Dieu. It's inside his blood. C'était dans son sang. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? It wasn't God asking him to kill. C'est pas Dieu qui lui avait demandé de tuer l'Égyptien. But God used it for his glory. Mais Dieu l'a utilisé pour sa gloire. Are you listening to me? Est-ce que vous suivez? Now you find the same Moses. Vous trouvez le même Moïse. After 40 days. Après 40 jours. In God's presence. Dans la présence de Dieu. He came with the law. Il descendait avec the la loi. Of the law. La table de la loi. He saw people misbehaving. Il a trouvé les gens qui se comportaient mal. How many of us have seen the? How many of us? Combien d'entre nous? Seen what Moses saw. Ont vu ce que Moïse avait vu. Can I tell you something? Je peux vous dire une chose. God did not call Moses even as a prophet. He called him as a God. Dieu n'avait pas appelé Moïse comme he un said, prophète. He said, your brother Aaron will be a prophet to you. That means. Donc Aaron sera. You will have a prophet. Toi tu auras un prophète. Exodus 7 verse 1. Exode 7. He said, Aaron, thy brother, shall be a prophet to you. Donc Aaron, ton frère, sera un prophète à toi. So in the hierarchy of the prophetic, donc dans la lignée des prophétiques, Moses was something else. Moïse était autre chose. And he was coming. Et il venait. That will tell you the kind of person he was. Je vous dis juste la personne qu'il était. Something that God detected for 40 days. Quelque chose que Dieu a détecté pendant 40 jours, il a brisé cela. It's like bishop now coming to church. He's angry, carry pulpit, scatter it. C'est comme le bishop, il est en colère, il prend juste la chaîne et puis brise cela et puis donne des coups partout là. But was God with him? Est-ce que they talked about him. Everybody became lepers. Ils ont parlé contre lui. Tout le monde est devenu lépreux. What made Moses not to see the promised land? Qu'est-ce qui a fait que Moïse ne voit pas la terre promise? It was because he committed adultery. C'est pas parce qu'il avait commis l'adultère. It was because his anger, he struck. C'est à cause de la colère. Il a frappé le rocher alors qu'il était censé parler. I didn't plan to talk about that this evening. But I want you to, I'm giving you an extra that men of God, you don't look at their weaknesses. Don't, donc, les hommes de Dieu ne considérez pas leurs faiblesses. Don't go there. N'allez pas même là-bas. Because in your going there, parce que si vous allez là-bas, you will begin to stone them. Tu vas commencer à les lapider. And then you curse yourself. Et tu te maudis toi-même. You think you have done a good job. Tu penses que tu as fait un bon boulot? The man that tried to help God in the Bible. L'homme qui a essayé d'aider Dieu dans la Bible. God killed him. Dieu l'a tué. Don't help God, oh. N'aide pas Dieu. God will kill you. Dieu va te tuer. I'm telling you. Je dis la vérité. Don't try to help God. N'essaye pas d'aider Dieu. I will deal with pastor.
I will show pastor. Je vais montrer au pasteur. You have shown yourself, Pepe. Yeah. Are you listening to what I'm saying? Est-ce que tu sais que j'ai dit? So this is kingdom. This is not Namibia. Ça c'est le royaume. Ça c'est pas Namibie. In the kingdom of God, you dans don't bring Dieu, Nigerian culture, Namibian tu culture. Tu n'amènes pas la culture nigériane ou la culture namibienne. Are you hearing me? Est-ce que vous suivez? You talk. Cultures away, you tu mets kingdom, la culture de côté. You, this is kingdom culture. Ça c'est la culture du royaume. That's why you must be careful. C'est pourquoi vous devez faire très attention. Not to stone. Pour ne pas lapider. Or else you get stoned. Ou vous serez lapidé. For every one stone you throw at your man of God. Toute pierre que vous lancez contre heaven votre homme de throws Dieu. Rocks on your head and your donc family. Le ciel fait descendre des rochers somebody sur ta tête God forbid bad et sur ta famille. Dis à Dieu ne plaise. Do like say God forbid bad thing. Dis à Dieu ne plaise. Can I hear a loud amen to that? Amen. Bible says by a prophet. La Bible dit que par un prophète. Hosea chapter 12. Hosea 12. Verse 13. Verset 13. By a prophet. Par un prophète. God does not give you two prophets. Dieu ne te donne pas deux prophètes. I want to correct that tonight. J'aimerais corriger cela you ce soir. You don't have a prophet in Nigeria, have a prophet in South Africa, have tu a prophet. Tu n'as pas un prophète au Nigeria, en Afrique du Sud. They didn't use two prophets. Ils n'utilisent pas des prophètes. There was Aaron, there was Moses. Il y avait Aaron et Moïse. But every time God needed to speak, he spoke through Moses. Quand Dieu voulait parler, il parlait au travers de Moïse. He said by a singular. Par un singulier. Some of you here, you have 30 prophets on your phone. Certains d'entre vous, vous avez 13 prophètes dans vos téléphones. If I take your phone now, you have prophet Makesi, prophète Makesi, prophet Ignos Rock, prophet Coco, prophet Kaka, prophet Tony, prophet Oko. Only you. Seulement toi. You see why your life is already twisted. Tu vois pourquoi ta vie est truquée. A prophet. Un prophète. When two people cook soup. Quand deux personnes préparent la soupe, anybody that eat it will die. Tout celui qui mange cela va mourir. I go and put salt. Je pars, je mets and du sel. One come and put pepper. L'autre vient, il met le piment. Why the other one has gone out? Alors que l'autre est déjà sorti. One come and pour air. L'autre vient mettre de l'huile. By the time everybody sits down to eat. Quand tout le monde s'assied pour manger. That's genocide. Donc ça c'est le génocide. You go and sit down in the toilet for 2 hours. Tu vas t'asseoir sur le toilette pour 2 heures. It's one person that cook a soup. Si une personne a préparé by la soupe, time two prophets are cooking your destiny, quand deux prophètes travaillent sur ta five destinée, years you'll be a confirmed Christian. Donc dans 5 ans tu seras un. Are you following me? Est-ce que tu suis? Are you following me? Est-ce que tu suis? By read par Bible. Un. God doesn't give you two. Dieu ne te donne pas deux. Are you hearing me? Est-ce que vous me suivez? He doesn't give you two prophets. Il te donne pas deux prophètes. He gives you one prophet. Il te donne un prophète. And when God gives you one prophet, et quand Dieu te donne un prophète, everything you ever need is in that tout prophet. Tout ce dont tu auras besoin, c'est dans ce prophète. He uses a prophet to begin. Il a utilisé un prophète to pour commencer, deliver and pour to preserve. À délivrer et préserver. Are you listening to what I'm saying? Est-ce que vous suivez? Look at the Shunammite woman. Regardez la femme Shunammite. Elisha spoke a miracle into her life. Élisée a prononcé miracle dans and sa vie. And a child was born. Et l'enfant était né. The child became 11 years. L'enfant a atteint 11 ans. And one day the child had a headache. J'ai posé la question, l'enfant avait and my head, the child died. Ma tête, l'enfant I est mort. I want you to see the character of a woman who understands the office of a prophet. J'aimerais que vous voyiez le caractère d'une femme qui she comprend l'office d'un prophète. She did not look out for another prophet. She went back to elle the n'est pas same partie prophet. Vers un prophète, mais elle est rentrée vers prophet. Le même prophète. The same prophet. Le même prophète. The same prophet. Le même prophète. By a prophet. Par un prophète. Not by prophets. Pas par les prophètes. Can I tell you something? Puis-je vous dire quelque chose? Elisha did not even know what was her problem. Élisée ne connaissait même pas your son prophet problème. Doesn't have to call your village, your town, your city, your date of birth. N'a pas besoin de before citer you ton believe village, in what he carries. Avant que tu ne if crois God ce brings transporte. Him into your life, that means God has empowered him. Si Dieu l'a amené dans ta vie, c'est-à-dire que Dieu l'a amené dans ta vie do you know pour why, toute chose. Do you know why many pastors today are under pressure?
Tu sais pourquoi plusieurs pasteurs sont sous pression aujourd'hui? Some are now going to different mountains to collect witchcraft. Certains vont maintenant sur plusieurs montagnes pour prendre la sorcellerie. So they can see and keep their congregation. Certains sont en train de nettoyer leurs yeux pour qu'ils voient et regarder le peuple. Their hand into occultism. Certains sont en train de plonger leurs mains dans l'occultisme. Because of fake people. Let me say this: a prophet is not a man who sees vision. Un prophète c'est pas un homme qui voit les visions. Je dois vous dire. A prophet is a man that is anointed for a people. Un prophète c'est un homme qui est oint pour toi. Billy Graham does not cast out devils, but is an apostle of God in evangelism. Billy Graham ne chasse pas les démons, mais c'est un apôtre de Dieu dans l'évangile. Don't turn men of God into all kinds of things that you imagine. Ne tournez pas les hommes de Dieu dans des choses que vous imaginez. Stop driving men of God to begin to do strange things because they want to keep you. Arrêtez de chasser, de pousser les hommes de Dieu à faire des choses étrangères pour vous garder. Whoever is your prophet has the anointing to minister to you. Tout celui qui est votre prophète a l'onction pour vous prêcher. Let's analyze Elisha. Analysons Élisée. The first time Elisha saw the woman. La première fois qu'Élisée a vu la femme. He said what he said to Gehazi, what do we do for her? Il a dit à Gehazi, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Even Elisha did not even see the vision. Même Élisée n'avait pas vu la vision. That the woman was barren. Que la femme était stérile. And when the woman came again 11 years after with the child. Et quand la femme est venue avec Elisha said to her, what is the problem? Il lui a posé la question, c'est quoi the le problème? The woman said it is well. La femme a dit tout va Elisha bien. Elisha still did not even see it. Élisée n'avait pas vu que l'enfant était mort encore. Elijah wasn't seeing vision all the time. Donc Élisée ne voyait pas les visions à chaque instant. That was why Gehazi decided to go behind and collect some apparel. C'est pourquoi Gehazi s'était décidé d'aller par derrière pour that day his eye opened. Prendre de l'argent. Et malheureusement pour lui, les yeux se sont ouverts ce jour-là. It was a bad business day for Gehazi. Et c'était une mauvaise affaire pour Gehazi. Gehazi knew that Elijah wasn't seeing vision often. Donc Gehazi savait que Élisée ne voyait pas à chaque instant les visions. And then decided to play a fast one. Et il a décidé de I'm faire sure that wasn't raccourci. His first time. Et c'était sa première fois. Are you hearing me today? Est-ce que vous suivez? It was the woman that said, "The child I told you I didn't ask for, you gave me, is dead." L'enfant que je n'avais pas demandé est mort. I wrote something this afternoon. J'ai lu quelque chose ce soir. Hear it. Écoutez. He said. Qui dit? Challenges cannot be greater than your original prophet. Les défis ne peuvent pas être plus grands que ton prophète. Challenges cannot be greater ne peuvent pas être grands than your original prophet. Que ton prophète originaire. Why do people change prophets? God will not give you a prophet that he has not anointed for your case. Dieu ne va pas vous donner un prophète qui n'a pas oint pour vos problèmes. The woman went back to the same prophet. La femme est rentrée vers le même prophète. When the son of the widow of Zarephath died. Quand l'enfant de cette femme est morte. She went back to Elijah. Elle est rentrée vers Élisée. Anything that God's servant bet in your life. Toute chose que l'homme de Dieu and is having challenges. Et il y a des défis. Go back to him. Rentre vers lui. One of my daughters got married. L'une de mes filles s'est mariée. And the husband took her to another church. Et le mari l'a amenée dans une autre église. It took her several years to graduate as an engineer. Donc ça lui a pris 7 ans pour devenir ingénieur. Instead of 5 years. Au lieu de 5 ans. It took her several years after graduation to marry. Ça lui a pris plusieurs années avant de se marier. Now the husband goes to a very massive church. Son mari allait dans une grande église. That church should be about 50 times bigger than my church. Donc cette église peut être 50 fois plus grande que la mienne. She told her husband, said, "I'm going to my prophet. He knows my case." Elle lui a dit que je rentre vers mon prophète, il connaît mon here, cas. If I sit down here, si je reste ici, they are speaking too much English here. On parle beaucoup d'anglais ici. Let me go back. I'll be back. Je dois rentrer là-bas. It was when she came back to me. C'est quand elle est rentrée vers moi. She got a baby. Qu'elle a eu son bébé. She came back to me. Elle est rentrée vers moi. A lot of things opened to beaucoup her. De choses sont it ouvertes. It was through my ministry. C'est par mon ministère. She graduated. Qu'elle it was through my ministry. Elle a eu. She got married. Elle s'est mariée par mon she ministère. She was wise enough to reconnect. Elle était sage. Only you. Seulement toi. Only you. Seulement toi. A lady left her church one time. Une femme a quitté notre église. She has been in our church for 5 years, no child. Depuis qu'elle est dans notre église, 5 ans, she pas d'enfant. She wants to go somewhere else. Elle veut partir ailleurs. She started to go to one church. Elle a commencé à aller dans une less église. Than 6 months, she started wearing a uniform in another church. Elle a commencé à mettre l'uniforme dans une autre église après 6 mois. One day we closed from church. I saw her now with another church with uniform again.
Je le vis avec un autre uniforme d'une autre but église. In that community, they know that women who don't have children come and they get. Mais dans cette communauté, ils savent que non, les femmes qui n'ont pas d'enfants viennent et reçoivent. Your challenges are bigger than your prophet. Le défi ne peut pas être plus grand que votre prophète. Let me clarify this. Je dois clarifier ceci. That you are with a prophet doesn't mean you won't have challenges. Que quand tu es avec un prophète, il n'y aura pas but de défi. But you must have the spirit of stickability. Mais tu dois avoir cet esprit-là de témérité. Believe. C'est pourquoi la Bible dit croyez. Croyez. Even when things are not working, même believe. Quand les choses ne marchent pas, even croyez. When he prays for you and something worse happens, même still quand believe. Il prie pour toi quelque chose de pire believe. Croyez. Believe. Croyez. Believe. Croyez. And you shall prosper. Et vous allez prospérer. Believe. Croyez. Look, Elisha was a national prophet. Élisée c'était un prophète national. Yet the miracle he bathed through a woman died. Donc le miracle qu'il avait fait de la femme était mort. While you are under a man of God, you might lose some things that quand are precious. Un homme de Dieu, tu peux perdre quelque chose. You de might précieuse. Go through some pain. Tu peux passer par de peine. But you don't change your father. Mais tu ne changes pas ton père. Stick to your father. Donc attache-toi à ton père. Hang on to your father. Donc, attache-toi à lui. Everything you need to stage a comeback is in your prophet. Toute chose dont tu as besoin est dans ton prophète. The oil he carries is strong enough to break that. L'huile qu'il transporte est plus forte pour briser ce défi. Even Jesus prayed for a man once. Même Jésus a prié pour un homme une there fois. There was no immediate result. Il n'y avait pas de résultat immédiat. He said, "I see men like trees." Je vois des hommes comme des arbres. He touched his eye again the second time. Il a encore touché ses yeux. When your prophet prayed with you the first time. Quand ton prophète prie pour toi la and première nothing fois. Happens, go back rien to arrive, him. Rentre vers lui. The third time, go back to him. La troisième fois rentre the fourth time go back to him. La quatrième fois rentre. Keep believing. Continue à croire. Keep believing. Continue à croire. Don't change your prophet. Ne change pas tes prophètes. Don't change church. Ne change pas d'église. Stick to God. Attache-toi à Dieu. And believe in the one he gave to you. Et crois en celui qui t'a donné. And you'll be surprised. Et vous serez surpris. By the time seven hands on your head. Alors que quand il y a sept mains sur ta tête. The one that went to collect power from India. Celui qui est parti trouver la puissance de l'Inde sur ta tête. By the time you wake up like this, quand tu te réveilles comme ça, the kind of dream you are dreaming, le songe que tu vas faire, that is some of the dreams of you are dreaming, c'est certains de rêves dont vous avez. You are seeing snake. Vous êtes en train de voir des serpents. You went to collect snake anointing somewhere. Tu es parti chercher l'onction des serpents quelque part. You are seeing lizards. Tu es en train de voir des lézards. Who prayed for you? Qui a prié pour toi? Who laid hands on you? Qui a imposé sa main sur toi? Only you. Seulement toi. You have different water from different churches. Tu as plusieurs eaux de différentes églises. You wake up like this, you look, you say, this tu te réveilles, tu regardes. Ça, modern prayer ça c'est water. Modèle, l'eau de modèle de prière. This is. Ça c'est. This is. Ça c'est. How did they say well, I should use this one again? Comment est-ce qu'ils ont dit que j'utilise ça? They said I shouldn't drink, I should bath with this one. Que je ne puisse pas, ça je bois, oui, ça je me I lave. Made a mistake, I went hey, to drink. J'ai fait l'erreur, j'ai bu ça au lieu hey. De me laver avec hey, aujourd'hui. Why would there be serpent in your stomach? Pourquoi tu n'auras pas de serpent dans ton ventre? By a prophet. Par un prophète. By a prophet. Par un prophète. Not two. Pas deux. Not two. Pas deux. Don't two. Pas deux. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? That somebody prophesied to you is not your prophet. Quelqu'un qui a prophétisé sur toi, il n'est pas and ton prophète. To pass, thank God for him, but et c'est arrivé. Nous remercions Dieu pour cela, mais il n'est pas ton child somewhere because they prayed for you in that place. Ne pars pas consacrer ton enfant quelque part parce qu'on a prié pour toi là. Am I talking to somebody est-ce here? Que je parle à quelqu'un? Give the Lord a big hand. Acclamons pour le Seigneur. As the Recovery Channel, where life's pains are healed.